Alors, excusez-moi de vous déranger, madame, mais avez-vous vu passer un chat blanc par hasard? Un chat blanc, vous dites? Ah oui, je l'ai vu courir vers le parc. Puis-je vous demander ce que vous comptez faire une fois que vous aurez trouvé ce chat? Nous le ramènerons à la baronne. Il s'agit de son chat. Elle nous a demandé de lui ramener. Et comment comptez-vous l'attraper à main nue? Oh, ciel! Vous êtes un naïf, vous. Les chats sont gourmands. Vous devez l'attirer avec de la nourriture. Que nous conseillez-vous de faire? J'ai ici quelques restes de poisson que cette petite boule de poil va adorer. Je peux vous les donner, mais il va d'abord vous nous falloir résoudre cette énigme pour moi. On est parti. Sept cochons particulièrement belliqueux sont en train de paresser dans un enclos. Afin de vous assurer que les sept cochons ne se battent pas, vous décidez de séparer l'enclos à l'aide de trois cordes. Ah. En utilisant des poteaux ci-dessous, parviendrez-vous à placer les sept cochons dans des sections séparées. Il ne faut pas que la moindre queue ou le moindre groin puisse se faufiler. Ouais, ok, je m'en doutais. Alors. C'est déjà gagné. Merci à tous. Gotesque. Bon, alors. Bah, c'est tout con, hein. C'est tout con. Faut faire vraiment des trucs de ce genre-là, tu vois. Bien sûr, je vois. Bien sûr, bien sûr. Comment je vous sépare là-haut, là? C'est ça? Ouais, mais non. Là, il manque ça, ici. Là. Ah non, mais là, il y a le groin qui dépasse, là, en plus. Et ça lui passe dessus, ça. Au pire, ils se battent. Hein. En fait, il suffit juste de voir par où ils se rejoignent, en fait. Parce qu'il est possible de joindre. Ah, mais alors, ça serait bien de la merde, ça. Alors que ça, c'est parfaitement gotesque. Ah! Là, vous deux, là, vous faites chier, là! On a droit à combien de cordes? On a droit à 3 cordes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Ok. Non. Non. Mieux. Toi, t'es bien, toi. Je te sens bien, toi, celle-là, là. Celle-là, je la sens bien, celle-là. Elle, j'ai un bon feeling. Ouais, bah alors là... Luke, here's my answer. Has an answer. Bonne réponse! Des cochons contents sont des cochons contents. Bien sûr. Je vous l'avoue, je suis impressionné. Voilà les restes de poissons que je vous ai promis. Allez, bonne chance avec ce chat. Merci pour les poissons, vieille pute. Ce type est tellement énervé qu'il est rouge comme une tomate. Il a vraiment l'air débile. Et donc? Faut que je leur parle?
Cette fois, je n'en peux plus. C'en est trop. Voilà le moment où la cocotte explose. Pourquoi je suis énervé? C'est à cause de cette fichue énigme. J'essaie de trouver la solution depuis hier matin et je n'y arrive pas. J'en suis malade. Et pour combien le tout? Et pour combien le tout, je n'en dors plus la nuit. Espèce d'énigme à la noix. Si vous voulez essayer, peut-être. Oui, bien sûr. Merci Dark Angle pour les 7 mois. Kairon, les 100 bits. Pacurette, les 6 mois. Flelux, les 27 mois. Merci beaucoup. Steoun, les 3 mois. Oui, je serai le prime. Merci beaucoup. Ouf. Cet homme s'est fait prescrire 10 gélules. À compter d'aujourd'hui. Je dois prendre une gélule par jour. Mais dans un ordre bien précis. Étant donné que les gélules se ressemblent toutes, il a décidé d'inscrire un numéro sur chacune d'entre elles pour se rappeler de l'ordre exact. Combien de gélules devra-t-il numéroter au minimum? Au minimum? Quoi? Dans un ordre précis? Attends, 10 gélules? Bah... Est-ce qu'il a besoin de toutes les numérotées? Non, probablement pas. Probablement pas. Bon, c'est sûr qu'en tout cas... Hop là. 9? Admettons qu'il est... Il le numérote toutes, sauf la dernière. Bah celle qui est pas numérotée, il sait que c'est la dernière. Pour moi, ça me semblerait logique. Ou sinon, est-ce que la première, il la prend forcément? Il la prend tout de suite? À compter d'aujourd'hui, il doit prendre une gélule par jour. Bah du coup, pour moi, ça serait 8. J'ai envie de dire 8 ou 9, mais j'ai envie de dire 8, parce que la première, bah il la prend maintenant. Il la prend maintenant, donc pas besoin de la numéroter. Et la dernière non plus, du coup. Dire 8. Je compte aujourd'hui, il doit prendre une gélule par jour, mais dans un ordre bien précis. Étant donné que les gélules se ressemblent toutes, il a décidé d'inscrire un numéro sur chacune d'entre elles pour se rappeler de l'ordre exact. Viendrait-il en numéroter au minimum? 8, ouais. Enfin, ça me... Ouais, ça me semblait être ça, hein. Voilà! Tout simplement. Every puzzle has an answer. Bonne réponse! Il doit avant tout prendre sa première gélule et n'a donc plus besoin de la numéroter. Ensuite, il devra numéroter des gélules de 2 à 9. La dernière gélule n'a pas besoin d'être numérotée, car elle sera la seule sans numéro. Il n'est donc nécessaire de numéroter que 8 gélules. Putain, la taille des gélules. C'est pas par là qu'il faut les prendre! Mais ça va pas la tête! Moi qui étais tout prêt de trouver la solution tout seul, vous avez tout gâché, hein, le culot! Enfin, ça c'est fait. Je peux enfin dormir tranquille. Donc je devrais vous remercier. Je sais que vous avez du pain sur la planche, en tout cas, alors bonne chance! Je paye une petite bricole. Allez, vas-y, là, je veux une pièce. Voilà! Voilà, maintenant vous offrez tous un sub. Merci à tous. Une plaque d'égout, nous ne pouvons pas décemment la retirer. Hop là, voilà un deuxième, merci à tous. Cette grande roue domine le parc. On dirait qu'il y a un parc derrière cette grille. Hop là, une pièce, hop là! Insane, c'est la dinguerie, messieurs dames. Let's go. Merci Cortex pour le subwoofer à Serious Words. Ah, le chat! Je vais te appâter avec le poisson? Professeur, la voilà! Vite, les restes de poissons! C'est underscore pour les 3 mois. Viens ici, Claudia, viens, ma belle! Miaou. Miaou. Professeur, nous avons réussi! Elle vient vers nous! Parfait, retournons au manoir. Miaou. Merci, militaire, pour les 16 mois. Merci pour le train de la hype. Mais c'était pas bien sûr. Niveau 60. Ayant retrouvé Claudia, Luke et le professeur Layton décident de retourner au manoir Reynolds. Ah mais j'ai même pas observé l'endroit où j'étais. Comment se passe votre enquête à Saint-Mystère? Voilà un conseil pour vous aider.
Il est parfois impossible de revoir une énigme non résolue à son emplacement d'origine. Mais je vais toutes les résoudre, hein, t'inquiète. Mais pas de panique. Il est possible de retrouver ces énigmes perdues chez Mamie Mystère sur la Grand Place. Elle est souvent dans sa réserve afin de résoudre toutes les énigmes du jeu. Ah, c'est Samuel Vimer. Pour le sub de 6 mois, La Moon Rain, les 4 mois, Nim the Weirdo, le sub offert à Eric LOL 8. Vas-y, Stéoun. Pour le sub offert à Monsieur Futur. Il se passe quelque chose. Ah, c'est pas bon. Il se passe quelque chose d'étrange ici, professeur. Oh, monsieur! C'est vraiment horrible! Venez vite, je vous prie! Quel est le problème, Mathieu? Ne vous inquiétez pas pour Claudia, elle est saine et sauve! Eh bien, voilà une nouvelle qui fera plaisir à madame! Mais ce n'est pas le moment de s'occuper d'un chat! De dépêchez-vous de vous rendre à l'étage! Alors, c'est vous le célèbre professeur Layton? Je m'appelle Chelmy. Inspecteur Chelmy. C'est moi qui suis chargé de cette enquête. Je ne pense pas qu'une enquête soit indispensable. Nous avons déjà ramené Claudia saine et sauve. Ah, Claudia, ma poussette. Viens voir maman, mon petit doudou d'amour. Miaou. Qu'est-ce que ce chat fait ici? Vous amenez un chat sur le lieu d'un crime? Vous êtes complètement inconscient! Nous n'étions pas ici quand ce crime a eu lieu, et nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Pourriez-vous nous donner quelques explications? Il y a eu un meurtre, professeur! Un homme a été tué dans ce manoir! Comment, mais qui? La victime est un résident de ce manoir, un certain Rupert Reynold! Rupert est... Il y a 2 heures, j'ai reçu un appel indiquant qu'un homme gisait sur le sol du manoir Reynold! Lorsque je suis arrivé ici, il était déjà clair que la victime était déjà décédée. Je vois, quelle est la cause du décès de Maxime? Je suis justement en train d'enquêter à ce sujet. Pour votre information, Layton, vous êtes sur ma liste de suspects. Les autres détails liés à cette enquête sont confidentiels. En parlant de détails, qui a prévenu la police? Vous êtes sourd? Je viens de vous dire que tous ces détails étaient confidentiels, c'est compris? Bon, je vais prendre vos dépositions dans la pièce attenante. Venez me voir un par un. Et que soit bien clair, personne ne quitte les lieux avant que j'ai interrogé tout le monde. Mathieu, avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Un individu étrange ne se trouvait peut-être près du manoir au moment des faits? J'ai bien peur de n'avoir vu personne, monsieur! Je ne savais même pas que monsieur Rupert avait été! Je ne l'ai appris que lorsque le spectre Chalmé est arrivé ici! Savez-vous où se trouve le corps de Rupert, maintenant? Vous venez pas de voir le cadavre? Je n'en suis pas certain, mais j'ai entendu dire que l'inspecteur avait fait sortir le corps du village! Il s'en sera occupé juste après son arrivée! Je vois. Nous n'avons donc aucune piste pour le moment. Ah, monsieur, si je peux me permettre, j'ai trouvé ceci! Cet objet était dans la pièce où le corps de monsieur Rupert a été retrouvé! Découvert! Mais c'est la franc-maçonnerie, ça, Mathieu, enfin! Malheureusement, je n'en ai aucune idée, mais je me suis dit que cela pourrait être un indice! Alors je me suis assuré de le garder en lieu sûr! Fascinant. C'est un rouage, si petit qu'il aurait facilement pu échapper à une fouille de la pièce. Tiens, quelque chose est gravé dessus. Un petit rouage! C'est curieux, cela me fait penser à une énigme! Quoi? Vous plaisantez? Une énigme? À un moment pareil? Il ne plaisante pas. Il n'est pas là pour rire. Une figure à 8 sommets est marquée d'un point rouge sur une face et d'un point noir sur l'autre. Si vous la tenez entre vos doigts comme sur le schéma A et que vous la faites tourner, le point noir apparaîtra comme indiqué sur la droite. Très bien. Donc il est ici. Voilà. En supposant que vous la teniez à présent comme sur le schéma B. Hop. Hop. Donc il est... Attends. Donc il est censé être là. Si je dis pas de bêtises. Hop. Et on le tourne dans ce sens-là. Où est le point noir, hein, tout simplement. Ah, il faut que j'entoure l'emplacement. Donc il est là. Tac. Je tourne. Hop. Bah, c'est ici. C'est bien ça, hein. Je dis pas de la merde, là. Hein. J'ai de la merde. J'ai de la giga-merde. Non, je dis pas de la giga-merde. Non, si, j'ai de la giga-merde. Attends. Attends, il est... Donc, le point est censé être là.
Tac. Donc il est censé être là. Et je le tourne. Voup. Si. Ah si, c'est bon. My con. Probablement, oui. Donc il est censé être là. Il est censé être là. Si le point il est là. Hop. On tourne. Voup. That should do it. Ah ouais? Another puzzle solved. Merci à tous. Bonne réponse! Bonne réponse, regardez l'image! Eh oui! Au revoir à tous. Toutes mes excuses! Je ne crois pas savoir quoi que ce soit d'utile à votre enquête! Le petit rouage est bien suffisant pour nous permettre de continuer. Mais je me demande pourquoi vous nous le remettez. J'ai confiance en vous, monsieur! Je sais que vous en tirez de cette affaire au clair! Merci de votre confiance, Mathieu. Attends, juste aller voir vite fait le... les bricoles, là. Les bricoles que vous ramassez dans le village sont alignées au bas de l'écran tactile. Touchez une bricole pour l'envoyer directement à sa place. Vous vous demandez ce que vous construisez? Eh bien, c'est un secret. C'est un chien. Un chien mécanique. C'est une... Lilou de métal. Ah oui, j'ai une nouvelle pièce pour le tableau, by the way. Voilà, c'est parfait. Bon, ok, super. C'est quoi ça mystère là, juste ici là? Ah oui, la pomme d'or, le vacarme au manoir. C'est vrai qu'il y a eu un tremblement de terre, un truc comme ça. Vol de manivelle. Ah oui, le pont-levis et le rouage. Bien sûr. Ok. Parlons à lui. Vous vous rendez compte? Un meurtre dans cette maison? Cela me fait froid dans le dos! Vous êtes détective, non? Dépêchez-vous de trouver donc le coupable! Je n'ai rien d'un détective, cher monsieur. Votre inquiétude n'est cependant pas sans fondement. Personne ne sera tranquille tant que ce meurtrier sera en liberté. C'est bien mon avis. J'avoue ne pas comprendre, Rupert pouvait se montrer désagréable, mais il n'avait pas d'ennemis. Si le meurtrier cherche la fortune de mon frère, je pourrais bien être sa prochaine victime. Votre raisonnement est intéressant. Si nous considérons uniquement l'argent comme mobile, le nombre de suspects se réduit sensiblement. Mais vous n'essayez quand même pas de dire que moi, je pourrais être le coupable! Sachez que Rupert et moi, nous nous entendions très bien, mais n'étaient pas très proches d'Augustus. Vous savez, toutes ces histoires de famille me rappellent une énigme que j'ai entendue il y a longtemps. Six frères se réunissent autour d'une table pour le dîner. Chaque garçon est prompt à se battre avec ceux de ses frères qui sont directement au-dessus et en dessous de lui en termes d'âge. Et donc ne peut pas être placé à côté d'eux. Pour le dîner, en outre, les frères 3 et 5 se sont disputés l'autre jour et refusent d'être assis l'un à côté de l'autre. Le frère aîné, symbolisé par le chiffre 1, est déjà installé à table et attend les autres pour commencer à manger. Alors, déjà le 3 et le 5, faut pas les placer ensemble. Ok, bon. Donc le 3, on va mettre le 3 ici pour commencer. Ensuite le 5, on va le mettre là. Non, on va le mettre là. Parce que nous allons mettre le 4 ici. Nous allons mettre le... mettre le 5 là. Le 4... Le 6 ici.
et le 2 là. Voilà. Merci à tous. Luke, here's my answer. Très très simple. Bravo à tous. Another puzzle solved. Another puzzle solved. Placez les garçons comme le montre l'image ci-dessous, ci-dessus, et le dîner devrait se dérouler sans aucun problème. L'image en miroir de cet exemple serait également une solution acceptable. Enfin, un repas au calme. Voilà donc la réponse. Merci d'avoir résolu cette énigme, cela ne nous dit pas ce qui a tué Rupert. Je vous assure que je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Vous devez absolument trouver l'assassin. Bien sûr. Je comprends votre position. En fait, je fais partie des suspects, moi aussi. Je l'ai peut-être tué, on ne sait pas trop, en fait. Toutefois, je verrai ce que je peux découvrir au sujet de ce meurtre. Ah, une autre petite bricole. Que je vais placer sur le chien mécanique, bien sûr. Oula, c'est bien ça. Merci Mayabay pour les 6 mois. Tengi, les 22 mois. Vince, le subwoofer. Losgan. Ici Rhys, merci pour les 4 mois. Grazie mille. Bon, allez, parlons à toi. Toutes les personnes présentes au moment du crime sont-elles dans cette pièce? Pardon, monsieur, mais Ramon était également présent! Il devrait être ici, lui aussi! Ramon? Où peut-il être? Et que peut-il bien faire? Mathieu, allez le chercher immédiatement! Pour être honnête, madame, je ne crois pas avoir vu Ramon depuis plusieurs heures! Comment? Ne me dites pas que nous avons une autre victime! Pour un instant, il fait partie des suspects! Il essaie peut-être d'échapper à la justice! Où peut-il bien être? Et s'il avait été tué, lui aussi? Eh bien, allons chercher Ramon. Un instant, Luke. Et qu'y a-t-il, professeur? Je dois m'entretenir un instant avec la baronne. Ce ne sera pas long. Je ne mets jamais plus de 5 minutes. Ah, mais non, mais... Ok, bah, mais sauf qu'elle est pas là, la baronne, en fait. C'est énorme. Hé, où est donc la baronne? Madame s'est retirée dans sa chambre pour s'imposer. Madame est forte, mais il est normal qu'elle ait besoin de calme après ces événements. Je vois. Pouvez-vous lui faire savoir que j'aimerais discuter d'une petite, très petite chose avec elle? Bien sûr, monsieur! Attendez ici, je vous en prie! Ouvrez! Cette journée a été tellement éprouvante! La preuve, même la baronne s'en montre perturbée, elle qui est si froide d'habitude! Voyons, Luke, si tu veux devenir un parfait gentleman, tu dois faire montre d'un peu plus de tact! Ah, bien sûr, professeur! Toutes mes excuses, j'ai eu tort de dire ça! Madame est prête à me recevoir! Prenez cette porte sur la gauche, je vous prie! Hop là, le subwoofer. Hop là, l'autre subwoofer. Ce vase est superbe. On peut voir tout le jardin depuis cette fenêtre. Ces rideaux sont très chics. Ok. Madame, j'ai l'impression que le meurtre de Rupert n'est pas sans rapport avec la pomme d'or. Comment? Il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, mais il est tout à fait probable qu'il y ait un lien. Et vous pensez que Ramon a quelque chose à voir avec tout ça? C'est une possibilité. Nous manquons toutefois d'informations et ne pouvons pas encore tirer de conclusions. Je vois. Professeur, j'ai quelque chose à vous demander. Vous devez retrouver Ramon et le ramener ici. Je ne supporte pas d'être considéré comme suspecte dans cette odieuse affaire de meurtre. Aidez-moi à prouver mon innocence au plus vite. Comme il vous plaira, madame. Nous allons nous renseigner au village et tenter de trouver Ramon. J'apprécie beaucoup votre aide, professeur. Bien, j'attendrai la bonne nouvelle dans le salon. Éric Zemmour a disparu.
Merci Vince pour le sub-offert à Too Late. Young Elf, le sub-offert à Crocolarme. Merci beaucoup. Hop là! Tu crois que je t'avais pas vu, toi? Elle a mis son nez dans sa bouche. Comme c'est bizarre. Regarde cette photo. Qu'y a-t-il, professeur? Ah, c'est la baronne. Elle porte un petit bébé. Ce bébé ne peut être que la fille du baron. Elle s'appelle Flora, je crois. Eh bien, c'était vraiment un beau bébé. La baronne n'a pas beaucoup changé, pas vrai, professeur? Tu connais le dicton, Luc? La beauté n'a pas d'âge. Si vous le dites, professeur. Mais cette photo m'intrigue. On devrait en parler à la baronne. Pourquoi elle est intrigante, cette photo? Elle a rien d'intrigant, cette photo. À part qu'il lui met, évidemment... Ah, un sub-offert. À part qu'il lui met son nez dans la bouche, quoi. Le sol est si propre qu'il brille. Ok. Pardon, madame, nous avons vu cette superbe photo de vous et de votre fille et... Mais enfin, de quoi parlez-vous? Cette photo de vous et du bébé dans l'autre pièce. Vous devez vous tromper, je n'ai jamais eu d'enfant. What the fuck? Toutes mes excuses, madame, j'ai dû me tromper. Dois-je vous rappeler que nous n'avons pas de temps à perdre, professeur? Allez chercher Ramon et ramenez-nous ici, voulez-vous? Si ce n'est pas la baronne sur cette photo, qui cela peut-il bien être? Nous devrions interroger le majordome à ce sujet. Il pourra certainement nous éclairer. Ah, Matthew, avez-vous un instant? Bien sûr, monsieur! Que puis-je faire pour vous? Je voudrais vous parler de cette photo que nous avons remarquée là-haut. Celle où on peut voir la baronne porter un tout petit bébé. Ah oui! Vous avez vu cette vieille photo? Ce n'est pas une photo de madame, mais de la défunte femme du baron, Violette Reynolds! Votre méprise est parfaitement compréhensible, monsieur! Elles se ressemblent énormément, tant physiquement que dans leurs attitudes! C'est ce qui a d'ailleurs plu à monsieur, lui qui voulait tant baiser sa mère! Alors ce n'est pas Dahlia Reynolds que l'on voit sur la photo, mais la précédente femme du baron. Ah non, la précédente femme du baron. Ah, mais c'était pas sa mère, c'est sa femme. Son ex-femme. Eh bien, vous vous rendez compte? Trouver un parfait sosie comme ça, c'est impossible! Peut-être était-elle de la même famille? Une Dahlia qui a peut-être une sœur jumelle. Tiens. Pas que je sache, monsieur! L'arrivée de madame a été soudaine! Un jour, le baron est entré au manoir avec une femme à ses côtés! Et madame s'est installée ici! Voilà tout ce que je sais à ce sujet! Merci, Matthew. Vous nous avez été d'une aide précieuse, comme à votre habitude. Comme c'est étrange. Décidément, cette affaire se révèle de plus en plus singulière! Attends, je commence un truc. Ah non, ouais, non. Mais j'ai un truc nouveau dans l'hôtel. J'ai même pas fait gaffe. J'ai placé des meubles que vous obtenez dans la chambre de Luc ou celle du professeur. Vous pouvez le voir apparaître sur l'écran supérieur dans la chambre de votre choix. Ok. Ah, c'est approprié ou non. Ok. Chaque fois que vous obtenez un nouvel objet, vous devez choisir dans quelle chambre le placer. Vous pouvez toujours revenir en arrière, votre premier choix n'a rien de définitif. Si l'une des chambres est pleine, tout objet obtenu sera envoyé directement dans l'autre chambre. Lorsque Luc et le professeur seront tous deux pleinement satisfaits, vous aurez droit à une bonne surprise. On va tout mettre chez Layton, hein. Voilà. Il manque encore beaucoup de choses ici. Ma chambre est vide, j'ai besoin de meubles, et vite! Non. Tu n'auras rien, rien du tout. Rien, petite merde, ça va t'apprendre la vie de parfaite gentleman. Ah bah tiens. Hein? Miaou. Mais... Ce sont les lumières... Ce sont les lunettes d'Éric Zemmour. Je me demande comment elles sont arrivées ici. Elles pourraient constituer un indice important pour l'enquête. Je pense que nous devrions les remettre à l'inspecteur Chalmé.
Layton. Inspecteur, regardez ce que nous avons découvert. Ces lunettes appartenaient à Rupert. Nous les avons retrouvées dehors dans le jardin. Que... comment? Bah, elles sont sûrement tombées quand le corps a été transporté hors du village. Je vois que vous avez du temps à perdre pour gérer le bureau des objets trouvés du village. Vous feriez mieux de vous occuper de ce qui vous regarde. Comme de l'héritage des Reynolds, par exemple. Layton, ceci est un avertissement. Cessez de faire obstruction à mon enquête, ou je saurais vous le faire regretter. Très bien, inspecteur, veuillez accepter mes excuses. Je n'aime pas du tout cet inspecteur Chelmy. Ce n'est qu'un prétentieux qui empeste le tabac. En plus, il est odieux avec vous, professeur. Luke, mon garçon, ce n'est rien. Pour l'heure, nous avons d'autres priorités. Allons au village et essayons de retrouver Raman. Ah non, c'était les lunettes de Maxime, pas celles d'Eric. My bad là-dessus. Tiens donc, regardez qui voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Désolé de vous déranger, nous cherchons Raman. Est-il passé par ici aujourd'hui? Non, je l'ai pas vu de la journée. Et pourtant, j'aurais pu. Il ne rate pas une occasion de quitter son poste. Assez parlé de lui. Allons baiser. Je crois que vous y connaissez en énigme. Je voudrais que vous m'aidiez à résoudre cette énigme qui me pose un problème. Maintenant, c'est à dire que nous sommes assez occupés. Enfin, si vous insistez... Allez. On est parti. Merci Swap 4 pour le Prime. Un timimimimimimim, merci pour les 16 mois. Gureberu, le Prime. Merci beaucoup. Ok, ok, ok. Merci Anonix pour les 13 mois. Est-ce que vous connaissez les dessins en un seul trait? Le principe est qu'une fois votre crayon en contact avec la feuille, vous ne pouvez plus le relever. Vous n'avez pas le droit de passer deux fois au même endroit, mais vous pouvez croiser le tracé. En suivant ce principe, regardez les quatre dessins ci-dessous. L'un d'entre eux ne peut pas être effectué en un seul trait. Lequel est-ce? Alors celui-là, tu peux faire comme ça. Tu peux... Attends. Ah, j'ai pas le droit de repasser dessus. Alors celui-là, à moins que je sois très con. Alors que celui-là... Oh non, je suis trop con pour ça. Oh non, je suis trop con pour ça. Ah non, mais je... Aucun. Oula. Ok. Donc, non, pas celui-là. Ok. Oh putain. Oh, c'est trop dur. Ouais. Oh non. Oh non. Oh non. T'es pas perdu? Ah merde. Mais quand je l'ai fait, putain, tout à l'heure, je me souviens plus. Putain, je suis un bouffon. Voilà. Bah, là. Ah, oui, si. Oh non. Oh non, je me suis baisé. À moins que ce soit celui-là que je peux pas faire en deux traits. Enfin, en un seul trait. Alors, celui-là, comment je fais? Ah, ça, c'est impossible. Ah non, la voiture, j'ai réussi à le faire. Attends. Si je pars du centre... Le premier m'a l'air très chaud à faire en un seul.
Sinon, je comprends pas comment ça marche. Putain. Hop, on sort de là. Sinon, je fais pas le trait, d'abord. On finit par le trait, peut-être ? Non. Attends, si je fais comme ça... Top ! Pas chier. Attends, si je fais comme ça... Au secours. C'est de pire en pire. Mais le premier a l'air trop chaud, là ! Le premier, c'est impossible. Attends, celui-là ? Et vraiment, c'est trop dur pour moi, ça. Celui-là, c'est sûr qu'il y a un moyen, je pense. Hein. Lui, il y a grave moyen. Ouais, voilà. Ouais, ok, celui-là est faisable, celui-là est faisable. C'est soit la maison, soit le rond. Mais la maison, j'ai pas réussi à le faire. Et celui-là, mais alors celui-là, doit y avoir une technique que je ne connais pas. Non, c'est sûr que c'est pas ça. Là, je tourne. Mais non, il faut juste faire ça. C'est la maison. That should do it. Hop là! Critical thinking c'est is bon. To success. Bonne réponse. Il existe une méthode pour savoir très facilement si un dessin a été tracé suivant ce procédé. Elle vous sera révélée lorsque vous aurez résolu la prochaine énigme de ce type. Ah bon. Oh, OMG. Ah ouais. Pas tant simple, hein. Excellent. Cette énigme me tourmentait depuis des mois. Écoute un peu, mon garçon. J'ai eu une horrible vision. Je t'ai vu avoir de gros ennuis cette nuit. Fais attention à toi, tu veux ? Eh bien, merci pour ces bonnes nouvelles. Mais ne vous en faites pas trop pour moi. Il en faut beaucoup pour me faire peur. Ah, choper une bricole. Merci chose binouche pour le Prime. I'm reverse, merci pour les 14 mois. Merci beaucoup. Les bricoles. Voilà les bricoles. Ah. Hein ? Regardez, professeur, la coque de cette barque est trouée. Au fait, vous connaissez l'énigme du naufrage ? Et zéro mardi, les amis ! Merci Lélélé pour le Prime, merci beaucoup. Au secours ! 15 personnes sont piégées sur un navire en train de sombrer. Le bateau va couler dans très exactement 20 minutes ! Leur seule chance de survie est le canot de sauvetage qui ne peut prendre que 5 personnes à son bord. Histoire d'arranger les choses, les eaux sont infestées par de dangereux requins mangeurs d'hommes. Nager est donc hors de question. Un aller-retour en direction de l'île la plus proche prend environ 9 minutes. Combien de personnes pourront être sauvées ? Alors combien de temps c'est... Il va tomber dans 20 minutes ? Bah du coup on peut faire que... Attends. Bah on peut faire que 2 allers-retours du coup, 2 x 9, 18. On peut faire que 2 allers-retours. Donc 10 personnes ? 10 sur 15 du coup. Ça m'a l'air trop facile pour que ce soit ça. Attends, je vais relire vite fait. Le bateau va couler dans exactement 20 minutes. Ah non, c'est ça, hein. Il peut prendre 5 personnes à son bord. Ah non, il y en a forcément un qui doit rester dans le canot. Donc ça fait 4 personnes sur l'île là-bas. Plus le mec qui revient avec le canot. Et il en prend 4 autres. Du coup, ça fait 9 personnes, en fait. 9 personnes. Pour moi, c'est 9 personnes. Mais d'accord, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Il part à 5, bam, il en laisse 4 là-bas. Hop, il revient et voilà, à 9.
Luke, here's my answer. Ah! My bad là-dessus! I'm ashamed. Oui, il peut pas repartir le livre s'il est vide, n'est-ce pas? Oui, bah c'est ça. Merde, je fais de la merde. 15 personnes, ok, blabla, le bateau va couler dans les 20 minutes. Leur seule chance de survie... Et le canot de sauvetage qui ne peut prendre que 5 personnes à son bord. Histoire d'arranger les choses, les eaux sont infestées par de dangereux requins mangeurs d'hommes. Nager est donc hors de question. Un aller-retour en direction de l'île la plus proche prend environ 9 minutes, combien de personnes pourront être sauvées? Bah, sachant que ça prend 9 minutes et qu'on a qui va couler dans 20 minutes... Attends. Ah non, mais attends, il fait un aller-retour. Et il fait un autre aller-retour après, putain! Mais oui, je suis trop con! Je suis trop con, c'est... Alors, ça doit être 13, je pense, du coup. 15 moins 2. Et là, si on a deux qui vont crever, quoi. Je pense que c'est ça, parce que, du coup, ouais, attends. Ça commence, bam, ils sont 5. Hop, il en dépose 4. Il revient. Hop, ça a pris 9 minutes. Il en reprend encore. Il en reprend encore 4. Bam, il les dépose là-bas. Ça fait 8 là-bas. Ça fait 8 là-bas. Et il revient. Il reste 2 minutes avant que ça coule. Il en reprend 4 autres. Et bam, ils sont 5 là-bas. Ça fait 13. Hop. Ah oui, putain, c'est vrai, c'est ça. That should do it. First try. First try, messieurs, dames. Puzzle has an answer. Hop là. Bonne réponse. Une minute de silence pour les deux malheureux qui ne s'en sont pas sortis. F. Merci Grace 69, pardon, pour le Prime, merci beaucoup. Et ça reine le Prime. Daibo Sama, les 8 mois. Parapluie, le Prime, merci beaucoup. Ok. Ouais, excellent, professeur. Il m'a fallu 3 fois plus de temps pour trouver. Mais tu es très, très bête, Luc. Et moi, je suis un génie, en fait. Ok. Est-ce que lui, il va me redire des trucs? Quelle voix je lui avais fait à lui, déjà? C'est lui qui a l'accent? Ah, je lui avais fait quelle voix? Truc comme ça, Eh, vous deux, qu'est-ce que vous cherchez cette fois? Allez, dites-moi! Ah, j'ai compris. Inutile de m'expliquer, j'ai tout compris. Vous cherchez quelqu'un, non? Et vous glanez des informations dans la rue, c'est ça? Et là, je suis désolé, mais j'ai pas vu votre homme. Vous êtes sûr de ne pas pouvoir nous aider? Vous n'avez rien vu ou entendu d'intéressant? Non, non et non. Je n'ai rien pour vous, inutile d'insister. Allez, Luban! Je vois. Bien, dans ce cas, nous partons. Merci quand même. Ouais, c'est ça, bonne chance, vous en aurez besoin, ouais, vous en aurez besoin, ouais. Mais attention, vous ne devez pas vous approcher de la tour au nord du village. Restez loin de la tour. La tour au nord du village? On ne sait même pas comment faire pour aller au nord du village. Tu te souviens de cette tour de l'horloge sur la grande place? Je pense que nous devons traverser cette tour pour atteindre le nord du village. Allons voir ça. Ah, je t'ai pas allé là. Regarde ça, Luc. Cette bougie me fait penser à une excellente énigme. C'est parti! Oh, 10 sur 10. Oula, pour les bébés, ça. 10 bougies sont allumées dans votre salle à manger. Un courant d'air vient éteindre 2 d'entre elles. Plus tard, vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte. Vous fermez la fenêtre afin de vous assurer qu'aucune autre bougie ne s'éteindra. En supposant que le vent ne vous perturbera plus, combien de bougies va-t-il vous rester? 10. Il me reste 10 bougies, dont 7 allumées. C'est combien de bougies va-t-il vous rester, la question? C'est pas combien de bougies allumées va-t-il vous rester? J'ai 10 bougies dans ma salle à manger. Il va me rester 10 bougies. Elles s'éteignent juste. Well, here's my guess. I'm so embarrassed.
Combien de bougies va-t-il me rester ? 10 bougies sont allumées dans votre salle à manger. Un courant d'air vient éteindre 2 d'entre elles. Ok, j'ai 8 bougies allumées, 2 éteintes. Plus tard, vous vous rendez compte qu'une bougie supplémentaire s'est éteinte. Vous fermez la fenêtre afin de vous assurer qu'aucune autre bougie ne s'éteindra. En supposant que le vent ne vous... En fait, c'est la bougie supplémentaire ? C'est ça la blague ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a 11 bougies ? Il faut juste que je réponde 7. Combien de bougies va-t-il me rester ? Attends, putain ! Il va m'en rester 3 des bougies. Parce que les 7 autres vont fondre parce qu'elles sont allumées, putain ! How does this sound ? Hey ! Boum ! I did it ! You did it, mate. Bonne réponse. Les 7 bougies qui sont encore allumées vont se consumer complètement. Les seules bougies qu'il vous restera sont les 3 bougies éteintes par le vent. Excellent travail, mon garçon. Une chose peut paraître évidente, mais se révéler très importante. Parfois, il vaut mieux ne pas chercher trop loin pour éviter les interprétations farfelues. Bien joué, Layton. Hop là, un sub offert. Merci à tous. N'hésitez pas... Ah, les chaises. Cette chaise est tout à fait charmante. Tiens, cela me rappelle une énigme. Voyons si tu la connais, Luc. Ok. 30. Pour les adultes. Une nouvelle salle des fêtes vient d'être construite dans votre ville. Elle sera capable d'accueillir de nombreux événements. Allant des concerts aux conventions, en passant par des banquets, des bals, etc. Maintenant que la salle est terminée, il est temps de commander des chaises. Parmi ces 5 modèles que l'on vous suggère, un seul correspond tout à fait aux exigences de cette nouvelle salle. Lequel... Comment ça ? Lequel choisit-il ? Eh ? Une salle des fêtes. De nombreux événements, concerts, conventions, banquets, bals, etc. Maintenant que la salle est terminée, il est temps de commander les chaises. Et qu'est-ce que j'en sais, moi, laquelle correspond parfaitement ? Bah, la E fait plus chaise de salle des fêtes. Chaise à roulette, c'est casse-couille. Ça, c'est de la merde. Bah, c'est la E pour moi. Elles sont déplaçables facilement au cas où il y a des concerts. Ça, c'est de la merde, la D. Ça, c'est chiant. Tu vas pas t'asseoir là-dessus. En vrai, pour moi, la E, c'est la plus opti. Ça, on dirait des chaises de jardin, la A et la B. La A et la B, c'est ok. Et en plus de ça, ce qui est bien avec la E, c'est que du coup, en plus, tu peux les ranger easy parce que les autres, elles ont des barres en bas. Du coup, tu peux les empiler les unes sur les autres. C'est forcément la E, en vrai. I think I've got it. Let's go! I've solved it. Hop là. Pitié, masque le chat en haut à droite, mais pourquoi? Pourquoi je masquerais le chat en haut à droite? Ça spoil! Juste le lisez pas, quoi! Faites comme moi, hein. Vous allez voir, c'est incroyable. De toute façon, le chat, il va trop vite, là-haut. Il va trop vite. Hop. Bonne réponse! Parmi ces 5 modèles, seule la chaise E peut s'empiler. Une telle salle doit être capable de s'adapter aux différents événements qu'elle accueillera. Il faut donc des chaises qui puissent être arrangées. Arrangées, rangées et déplacées facilement. Hop là. Hop là. Ça backside beaucoup trop et on peut pas masquer vu qu'il est sur écran. Ok, bon. Bah, je le vire alors. Voilà. Oh, c'est triste. Hein. C'est triste. Hein. Ok. Non, c'est ça. Bah, fallait pas backside. Hein. Allez hop, c'est parti. Bien joué. J'imagine que cette énigme était trop facile pour toi, mon garçon. Ah, un morceau de tableau. Faut mettre une photo à la place. Mais il a ta cam. Alors, seulement quand je... Attends.
Voilà. Ça fait une petite ambiance, tu vois. C'est mieux comme ça. La cam volante. Là, on dirait que, tu sais, que j'ai pas de... Si je fais ça, je... J'ai juste une tête avec des mains, quoi. Insane. Sinon, je suis une tête flottante. Non, mais il y a le fauteuil. Il y a le fauteuil. C'est baisé. Bon, allez, salut. Hein. Oh, mais ça ne s'arrête plus. Ces bonbons ont l'air absolument délicieux. Luke, ces bonbons viennent de m'inspirer une superbe énigme. Écoute un peu. Mais ça fourmille d'énigmes là-dedans. Quelle dinguerie. 30 sur 30. Vous disposez de 10 pots chacun, remplis de 50 bonbons. Vous répartissez tous vos bonbons dans des sachets... Attends. 10 pots chacun remplis de 50 bonbons. Donc j'ai 500 bonbons en gros. Hein. Vous répartissez tous vos bonbons dans des sachets... en vous efforçant de verser dans chaque sachet la moitié d'un pot. Ok. Vous vous retrouvez donc avec 20 sachets de bonbons. D'accord, oui. Quel est le pourcentage de chance que vous trouviez en moyenne 25 bonbons dans chaque sachet? Attends, oula. Attends. J'ai 10 pots, chacun rempli de 50 bonbons. Ok, vous répartissez tout le monde dans des sachets en vous efforçant de verser dans chaque sachet la moitié d'un pot. Vous retrouvez donc 20 sachets de bonbons. Et le pourcentage de chance? Vous trouvez en moyenne 25 bonbons dans chaque sachet? Bah si je fais la moitié à chaque fois, 50 c'est 25 à chaque fois. Et bon, parfois c'est imparfait. Je sais pas moi! Moi je sais pas du tout. Je suppose que j'ai 10 pots, ok, 50 bonbons, ok. En les sachets, en vous efforçant de verser dans chaque sachet la moitié d'un pot. Donc j'essaie à chaque fois de mettre 25 bonbons dans un sachet. Vous retrouvez donc avec 20 sachets de bonbons. Et le pourcentage de chance que vous trouviez en moyenne 25 bonbons dans chaque sachet. Pourquoi le en moyenne 25 bonbons? Génial pour YouTube, les gens qui ont demandé que le chat soit retiré au lieu de juste cacher le chat ou s'empêcher de voir. Vous n'êtes jamais content. Qu'on soit bien clair, vous n'êtes jamais content. Voilà. Faites notre mieux. Si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Merci Ogotai pour le Prime. Docteur Desnova pour les 27 mois, merci beaucoup. Vous irez voir ailleurs, tu mettras ton pouce rouge sur YouTube et puis salut quoi. Quel est le pourcentage de chance que vous trouviez en moyenne 25 bonbons dans chaque sachet? Oh, 100%. Si je m'efforce à mettre la moitié à chaque fois, j'ai 100% de chance. Bizarre quand même. Il faut chacun remplir 50 bonbons. Ouais, mais il est possible que parfois il y en ait un, il y en ait 26 et l'autre il y en ait 24 quoi. Et qu'est-ce que j'en sais moi? En moyenne, ça va faire 25. En moyenne, 25 bonbons dans chaque sachet. De chance. Quel pourcentage de chance que vous trouviez en moyenne 25 bonbons dans chaque sachet? La moitié d'un pot. On retrouve donc avec 20 sachets de bonbons, ouais, voilà. En s'efforçant de verser dans chaque sachet la moitié d'un pot. La moitié d'un pot étant de 25. Vous trouvez 20 sachets de bonbons, quel pourcentage de chance que vous trouviez en moyenne 25 bonbons dans chaque sachet? J'ai 100% de chance, mais nique sa mère. I think I've got it.
Putain, mais c'est tout con, en fait, hein. Bonne réponse. Vous aviez 50 bonbons dans chaque pot et vous disposiez de 10 pots, ce qui vous fait 500 bonbons au total. Ensuite, vous avez rapporté 500 bonbons dans 20 sachets. La moyenne mathématique est donc naturellement de 25 bonbons par sachet. Mais plus c'est con, plus c'est dur, hein. C'est exactement ça, hein. Parce que vraiment, tu te dis, c'est trop con pour que ce soit ça, mais c'est ça, hein. Nous y voilà. Dès que tu as trouvé la bonne approche, le problème devient facile, n'est-ce pas? Ah, la petite bricole. Ouais, en fait, quand c'est trop facile, du coup, je me dis, c'est trop facile. Et du coup, je me dis, ça doit pas être ça. Hop là! Il est bien, ce clébar. Merde. Le pain et le fromage ici sont loin d'être frais. Burk! Tout est couvert de poussière ici. Hop là, le sub offert. Merci à tous. Mais non, mais on a déjà fait l'énigme de la bougie. Luke, regarde cette bougie. Elle me rappelle une énigme, si tu la connais. Ah, une autre énigme encore? Une autre énigme sur la même bougie? What the fuck, les amis? Il ne vous reste plus qu'une allumette. Vous pouvez allumer la lampe à huile afin d'y voir plus clair. Démarrez le feu dans la cheminée et allumez le chauffe-eau pour prendre un bon bain. Lequel de ces objets vous devez-vous allumer en premier? Bah, la cheminée? Quoique. Attends. Certainement pas le chauffe-eau. La logique serait... Attends. Bah, en vrai... Alors, c'est pas le chauffe-eau, c'est sûr. La lampe à huile. Oh non, les bâtards. How does this sound? I did it! Jeu de ses morts. Le jeu de ses morts. Le jeu de ses morts, quoi. Ah, j'avoue, il y a quelqu'un qui a dit. Pour que tout le monde soit content, tu mets ta cam pendant les énigmes et le chat le reste du temps. Eh. Hey. J'aurais pas un petit malin, là, en vrai. Je mets ma cam, je vire le chat pendant les énigmes. Je cache le chat. Enfin, je le vire même. Hop là. Voilà, c'est bon. Voilà, tout le monde est content. Bonne réponse. La première chose que vous devez allumer, c'est l'allumette. Sans flamme. Comment pourriez-vous vous occuper de la lampe de la cheminée du chauffe-eau, bien sûr? Excellent travail, Luke. C'est la bonne réponse. Le magasin semble vide pour le moment. Inutile de rester ici. Ah, le lit, on va le donner à Layton, bien sûr. Il n'y a pas un autre petit sub-offert, là? Il n'y a pas d'autre petit sub-offert. On dirait que les villageois adorent le beige. Professeur, je crois que c'est la tour de l'horloge dont vous parliez, non? Oui, mon garçon. Tiens, il y a quelqu'un devant l'entrée. Bonjour! Vous avez déjà résolu pas mal d'énigmes, on dirait! Vous ne pouvez franchir cette porte que si vous avez résolu 12 énigmes! Ah tiens, on dirait que c'est chose faite, bon? Très bien, disons que je vous ai pas tout dit! Si vous voulez vraiment passer, vous devez résoudre mon énigme! Oh non! Les dés ci-dessous ont l'air bien étranges! Mais en y regardant de plus près, on dirait qu'une certaine logique entre en jeu! Voici ce que vous avez. A égale 0, B égale 9, C égale 6. Ok, alors attends. Ok, alors attends. 1, c'est 0, B c'est 9, C c'est 6. Bah c'est de l'heure, hein. C'est une heure, c'est 3 celui-là du coup. Si ça c'est 6, ça c'est 9, ça c'est 3. Luke
Here's my answer. Is shit. En plus, c'est la tour de l'horloge, donc évidemment que c'est gagné. Bonne réponse. Les points représentant les aiguilles d'une montre ou d'une horloge. Représentent les aiguilles d'une montre ou d'une horloge. Bien joué à tous. Bien joué. Merde, non. Bien joué. Vous pouvez passer. Vous l'avez bien mérité. En fait, vous cherchez toujours cet épouvantable chat. Non, nous cherchons à présent un employé de la famille Reynolds, un certain Ramon. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Ramon? Ben oui, je crois bien l'avoir vu, mais où? Vous devriez demander à quelqu'un d'autre. Posez la question à Lucie sous la tour de l'horloge. Ah, une bricole. Oh, les yeux du clébard. Nous pouvons enfin... Non, nous pouvons enfin aller voir ce qui se cache derrière la tour de l'horloge. Ah, je suis impatient. Je me demande ce qui nous attend au nord du village. Merci Ketuki pour le sub offert Astroflamme, les 5 mois, le GG, les 11 mois. Attends, j'ai une bricole. Le chat et la souris. Regardez ce chat, professeur. Ce serait pas Claudia? Ah non, en fait, c'est un autre chat. Oui, c'est un chat de gouttière. Il a l'air d'aimer tourmenter cette pauvre souris. Tiens, Luc, en parlant de souris, connais-tu cette énigme? Merci, Taigao, pour les 3 mois. Merci beaucoup. Les souris sont connues pour se multiplier à la vitesse de l'éclair. Le type de souris qui nous intéresse ici est capable de mettre bas une fois par mois. Par portée de 12. Donc 12 gosses par mois. Les souris-sous deviennent capables de procréer au bout de 2 mois. Oh non! Vous avez acheté un de ces souris-sous le jour de sa naissance. Au bout de 10 mois, combien de souris aurez-vous? Oh non. Oh non. Ok, bon. Ok, alors. Le souris-sous en lui-même. Il va pas se reproduire tout seul? J'en aurais un. Vous avez acheté un de ces souris-sous. Le jour de sa naissance. Au bout de 10 mois, combien de souris aurez-vous? J'en ai acheté un. How does this sound? Hop là! Ah merde, j'ai oublié de virer le chat derrière. My bad là-dessus. Oh, voilà! Bonne réponse! Votre souris ne peut pas procréer toute seule! Correct. Excellent travail, Luc. Bon, un morceau de tableau en plus, mais c'est trop. Hop là! Vous faites quoi? Je vois que vous voulez me poser une question, mais vous devez répondre à cette énigme avant. Mon frère et moi, on l'a inventé ensemble. Vous voulez bien essayer? Of course. Oh, 40. Un garçon et sa sœur discutent tranquillement dans la cuisine. Tu sais, Sœurette, si j'enlevais 2 ans à mon âge et que je te les donnais, tu aurais 2 fois mon âge. Elle a 0,1. Pas du tout. Attends. Et pourquoi ne me donnerais-tu pas 3 ans de ton âge plutôt? Cela me permettrait d'être 3 fois plus âgé que toi. Elle a 1 an. Mais attends, mais alors si elle a 1 an, elle est très intelligente. Alors attends. Admettons qu'elle a 1 an. Et que lui... il a 1 an aussi. Non. Attends. 3 fois plus âgé que toi. Bah ouais, attends. C'est tout con. Attends, admettons que elle, elle a 2 ans. Lui, il a 4 ans. Voilà. Il lui donne 2 ans, donc lui, il a 2 ans. Il lui donne 2 ans à elle, du coup, elle a 4 ans, voilà. Et si... s'il lui donne 3 ans... Mais non, elle serait pas 3 fois plus âgée que 1 an.
secours, au secours, au secours. Au secours. Elle a... Ouais, elle a moins 4 ans, quoi. Non, attends. Bon, admettons que elle, elle a 1 an. Et que lui... Non. Et que lui, il a 2 ans. Non. Et que lui, il a 3 ans. Non. Elle, elle a 0 ans. Elle vient de naître. Elle vient de naître. Elle a 0 ans. Non. Mais si. Lui, il a 3 ans. Il a 3 ans. Il lui donne 2 ans, donc lui, il a plus que 1 an. Elle a 2 ans, donc il a le double de son âge. Mais par contre, non, parce que 3 fois 0, ça fait pas 3, ça fait 0. J'ai envie de péter mon crâne. Ok. Admettons qu'elle a toujours 2 ans. Elle a 2 ans. Son frère, il a 2 ans. Il s'enlève 2 ans. Il a 2 ans, il lui donne 2 ans. Boum, ça lui fait 4 ans et ok, ça pourrait marcher. Par contre, là, ça marche plus. S'il lui donne 3 ans, lui, il a plus que 1 an. Il a plus que 1 an et elle a 4 ans. 1 fois 3, ça fait pas 4. Ok, très bien. Admettons. Ah oui, mais elle... Attends. Deux fois mon âge. Juste... Ah mais elle est plus vieille peut-être que lui. Elle est peut-être plus vieille que lui, ceci dit. Je sais pas pourquoi je me suis dit que c'est... Je crois que c'était sa petite sœur, mais non, en fait. Voilà. Ok, si elle est plus vieille que lui, admettons. Si... Elle... Lui... J'ai envie de crever. Lui, il a 4 ans. Et elle a 6 ans. Lui, il a 6 ans. Non, elle a 6 ans, lui, il a 4 ans. Non. Lui, il a 3 ans. Et elle a 5 ans. Lui, il a 3 ans, elle a 5 ans. Pas du tout. Lui, il a 3 ans et elle, elle a 4 ans. Il se retire 2 ans. Pas du tout. C'est impossible. 3 fois plus âgé que toi. J'avais 2 ans à mon âge et que je te les donnais, tu aurais 2 fois mon âge. Et pourquoi ne me donnerais-tu pas 3 ans de ton âge plutôt? Cela me permettrait d'être 3 fois plus âgé que toi. Il a 9 ans. Il se retire 2 ans. Ça lui fait 7 ans. Et du coup, admettons que ça fasse 14 ans à la gamine. Ça voudrait dire qu'elle a 12 ans à la base. Non, ça marche pas. Il a 8 ans. Il a 8 ans, il se retire 2 ans. Il a 6 ans. Et du coup, elle a 10 ans. Non, c'est de la merde. Putain. Il a 8 ans. Non. Il a 7 ans. Non. C'est forcément père. Père et impair. Père. Je vais crever. Non. Si, peut-être. Attends. Il se retire. Il a 7 ans. Il se retire 2 ans. Il se retire 2 ans. Du coup, il a 5 ans. Il lui donne à elle. Donc elle a 8 ans. Je vais pleurer. Il a 6 ans. Il a 6 ans. Il se retire 2 ans. Donc il a plus que 4 ans. Il a plus que 4 ans. Et du coup, s'il a plus que 4 ans, il donne 2 ans. Donc elle a 8 ans. Donc elle a 6 ans à la base. Ils ont le même âge. Ils ont tous les deux 6 ans. Par contre, s'il se retire 3... Oui, ils ont 6 ans. Les deux ont 6 ans. Attends. Si les deux ont 6 ans... Admettons, lui, il a 6 ans. Il se retire 2 ans.
Ils ont tous les deux 6 ans. Non. Ah non, faut que je clique dessus, ok. That should do it. Voilà! C'est bon! Voilà, ils ont 6 ans tous les deux. Bonne réponse! Les conditions décrites dans l'énoncé de l'énigme ne se vérifient que si le frère et la sœur sont tous les deux âgés de 6 ans. Ce sont tout simplement des jumeaux. Merci à tous. Ah, c'était trop facile pour vous? Tant pis. Dites, vous connaissez Ramon, l'employé du manoir? Il en a pas l'air, mais croyez-moi, il adore sortir. Il s'entend très bien avec Jarvis. Jarvis? Nous ne connaissons pas cet homme, je crois. Où pouvons-nous le trouver? Vous voyez, Jarvis n'a pas vraiment de travail. C'est un chômeur. Vous le trouverez dehors, près des escaliers au nord d'ici, je pense. Allez vers le nord, jusqu'au croisement. Ensuite, prenez la ruelle sur la droite. Allez, je dois partir. J'espère qu'on pourra rejoindre ensemble. Et encore une bricole. Hop là. Oh oui! Oh, il est bien! Ah, oh, il est bien. Alors, est-ce qu'il y aura un subwoofer? Quelque part. Ah, voilà. La pièce SOS. Subs of streaming. Hop là, un autre subwoofer. Bravo à tous. Ah. J'avais pas vu. Regardez, professeur. Il y a une énigme cachée ici. C'est parti. Merci Stala pour les 32 mois. Ruka Bartender, les 22 mois, merci beaucoup. Oh non, je déteste ces merdes. Un petit ver rêve d'atteindre le centre de cette pomme. Cette énigme fonctionne sur le principe du taquin. Faites glisser les pièces pour que le ver apparaisse au milieu de la pomme. Le ver apparaisse au milieu de la pomme? Il est où le ver? Avec seulement 8 pièces à le placer, la tâche peut sembler facile. Mais vous... C'est plus difficile que vous l'imaginez, ok. Il est où le ver? Ah! Ok. Non mais annulé. Du coup je peux le faire que 8 fois, c'est ça? Attends. Non mais je vais perdre mon truc, ok. Ah non, avec seulement 8 pièces à déplacer. Non, c'est le nombre de pièces. C'est le nombre de pièces, je suis pas obligé de... Ah, oh, je sais jamais comment ça marche, c'est comme ça, non? C'est... Faut faire des tours comme ça, je sais jamais trop. En vrai, je suis très très chaud, en vrai. Je tiens à le dire. Merde, attends. Putain, c'est presque ça. Putain, almost there. Oh putain, je l'avais tout à l'heure. Je l'avais il y a 2 secondes. Lui, je l'ai foutu en bas, c'est pas ça. Attends. Toi, faut que je t'emmène par là. Du coup, hop, hop, hop. Hop. Toi, faut que je te mette là. Ou pas du tout, si. Un truc que je comprends pas. Ah non, mais je suis con. Putain, presque, presque, presque. En fait, faut que j'arrive. Mettre celui-là ici. Oh putain, c'est trop chiant. Je sais plus la méthodologie pour faire ça. Enfin, je l'ai jamais vraiment su, en vrai. J'ai envie de péter un plomb. Oh, la méthodologie, je l'ai plus du tout. Hein. L'ai-je seulement déjà eu? C'est la question. Bon, toi, tu dois retourner par là dans tous les cas. Voilà, donc toi, t'es là. Ensuite, toi, tu dois aller par là. Hop. Ouais, c'est chiant. Là, c'est bon. Et comment je fais pour faire passer celui-là comme ça?
Parce que lui, il faut qu'il se retrouve là, et lui, il faut qu'il se retrouve en bas. Parce que là, je le fais remonter, c'est pas bon. Attends. La merde. Putain. Horrible. Putain. Comment je fais ça? Prédit sur le nombre de coups, de toute façon je fais n'importe quoi donc. En fait, ces deux-là, faudrait juste les inverser. Comment je fais pour les inverser? Quelle est la méthodologie pour inverser ces deux-là? En fait, faut que lui il descende. Voilà. Maintenant, faut inverser ces deux-là. Je vais crever. Voilà, je crois que je commence à faire n'importe quoi là. Je crois que ça commence à devenir très très chaud pour moi là. Tu vas voir. T'imagines Fred là-dessus? Lui qui arrive pas à reconstituer le truc là sur Pimmel Party là. Incroyable. Vous avez vu, c'est moi qui suis à chier, mais je rabaisse quand même quelqu'un d'autre, tu vois, ça c'est une belle strat en vrai. Oh vas-y. Je recommence. Envie de péter un plomb, quoi. Il faudrait que je l'emmène là-bas. Mais lui, il faudrait qu'il bouge pas, quoi. Ok. Maintenant, le but, ça serait... En fait, faut aller faire petit à petit, en fait, j'ai l'impression. Mon but, maintenant, ça va être d'emmener celui-là en haut à droite, là. Parce que comme ça, c'est impossible. Oh, merde. Putain, regardez, c'est presque! Ça va être d'emmener celui-là ici et celui-là là-haut. Oh putain, c'est quoi ? Oh putain, c'est pas vrai. Quelle est la strat pour ces merdes-là? Non, ils sont vraiment experts là-dedans. Moi, vraiment, j'y arrive pas du tout. C'est toujours le même problème, là. Même principe que les Rubik's Cube, il y a un pattern, je pense. Ah, mais c'est sûr. Non, mais il y a vraiment une... Il y a une méthodologie, vraiment, pour réussir ça très facilement. Mais je la connais pas.
Ouais, c'est vraiment le même principe. Enfin, ça ressemble vraiment à des Rubik's Cube. Et si je passe par en bas, ça serait pareil de toute façon. Quoique, attends. Toi, je te mets là. Mon but, c'est de te faire passer là-haut, toi. Donc, dans tous les cas, ça va être très chaud, quoi. Bon, je vais tout faire pour te faire passer là-haut. Mais d'accord, bah, voilà. Bravo, c'est fait. Voilà, je l'ai mis là-haut, c'est bon, c'est gagné. Et c'est une horrible énigme, hein. C'est, je déteste, hein. je hais de tout mon être. Putain, les deux sont inversés maintenant, nique ta mère. Oh, j'y arrive pas, putain, je ne sais pas comment faire! Au secours! Attends, et si je regarde pas? Attends, si je fais n'importe quoi. Marche pas bien. Toi, tu vas là. Toi, ton but, c'est de monter là-haut, toi. Reste là, reste là. Ouais, et voilà. Et voilà, c'est pas mal là, j'ai envie de te dire. Alors attends. SOS, si tu craques. Non. Non, non, on n'utilise pas de pièces SOS. Tu nous as pris pour qui là? T'as cru quoi là? Comment je fais pour inverser les deux? Faut que j'emmène lui là-bas et que lui je l'emmène là-bas. Ok, je t'emmène là-bas. Ok, attends. Mais sauf que là du coup je vais inverser autre chose encore. Ça va être énorme. Mais comment je fais maintenant pour t'emmener là-bas toi? Putain! Attends, toi je te laisse là. Attends. J'ai peut-être un feeling de quelque chose. Toi, faut que tu retournes en bas à droite, là. Attends.
putain. Même chose que tout à l'heure. J'ai envie de pleurer. C'est impossible. C'est impossible. Je sais pas ce que je fais là. Probablement n'importe quoi. Oh putain! Oh comment je fais? Oh le jeu de merde. Je deviens fou. Je vais remplir un peu ma clope parce que j'ai pété un plomb. Mais pour 30 picaras en plus, hein. Si je rebouche du dessus, mais ça va me baiser sa mère là. Pourquoi tu dois aller par là? Ouais, mais alors là, je me recomplique la vie, mais 10 000 fois, là. T'inquiète, tu vas voir. Voilà, là, c'est pas mal, je pense. Ok, maintenant que j'ai bien fait de la merde. Tout va bien. Tout va super là. Quelle est la tech, putain? Quelle est la putain de tech, putain? Non, le but, c'est vraiment... Là, je vais faire n'importe quoi. Et je vais retenter de refaire les trucs tout en faisant n'importe quoi. Histoire de possiblement peut-être débloquer quelque chose. Voilà. Ok, maintenant, ça va en haut. Lui, le but, c'est de l'emmener en bas. C'est impossible. Impossible. C'est possible. Peut-être le million. Peut-être lui, ça va être de l'en... Oh putain. Le but, c'est de l'emmener à droite. Et une fois que je fais ça, je fais ça. Mais
Mais sauf que là, du coup, maintenant, hop, hop, hop. Mais sauf que là, c'est baiser, putain. Putain, je sais pas comment faire. Peut-être qu'un sub-tier 3 lui donnera du courage. Franchement, il rush du caca, je pense. Hein. C'est sûr. Hein. Il pleurait. C'est impossible. Je recommence. Je me dis, je te fais de la merde. Utilise des indices par pitié, pourquoi faire ? Voilà. Là, c'est énorme. Merci, la personne qui a offert un sub-tier 3 lâche rien BG. Voilà, maintenant mon but, ça va être d'amener lui ici. Pour amener lui ici... Quel est le moyen ? Toi, je vais t'emmener là. C'est de pire en pire. Voilà. Putain! Si je fais tout un tour, si je lui fais faire tout le tour pour y aller. Je sais pas, c'est peut-être une technique, j'en sais rien. Ah, j'ai bien tout baisé là. Voilà, il y est, ça y est. Bien joué. Bravo à tous. Oh non, putain, j'ai cru, mais non. Oh ! Putain, je deviens complètement Mabulito ! Eh, vas-y, nique sa mère. Ouais, vas-y, vas-y. Il n'y a que 8 pièces à déplacer pour résoudre ce cas de cette unité. Paniquez, prenez votre temps. Si vous avez l'impression de ne pas avancer, assurez-vous de tenter de nouveaux déplacements. Oui, ok, super, merci pour l'indice. Allez, dégage, vas-y. Avez-vous remarqué que certaines pièces sont parfaitement identiques ? Concentrez-vous, attention sur celle-ci. Oui, j'ai remarqué, effectivement, oui. Si vous rencontrez encore des difficultés, commencez par déplacer la pièce située dans le coin supérieur gauche. Vous ne pourrez jamais résoudre cette énigme en laissant ces pièces dans... Ok. Toi. Le coin supérieur gauche. Faut que t'ailles en bas à droite, c'est ça ? Faut que t'ailles là ? Voilà. Voilà, j'ai utilisé tous les indices. Super. Super. I wanna cry. Every day of my life. Toi, faut que t'ailles en bas. Voilà, c'est super. Voilà. Voilà. C'est abominable, hein. Voilà. Dis, prenez votre temps. Allez, nique ta mère. Ah, ça me donne envie de crever.
Comment je fais, putain? Oh, comme c'est de la merde. Well, here's my guess. Lightning's apprentice saves the day. Ouh. First try, ladies and gentlemen. Beau travail, ce petit invertébré est maintenant le plus heureux des vers. Malgré son apparente simplicité, la tâche s'est avérée plutôt ardue. Apparente simplicité ? N'est-ce pas ? Lorsque vous essayez de résoudre ce casse-tête, vous avez remarqué que certaines pièces étaient parfaitement identiques ? J'ai remarqué, oui. C'est Gérard de Riff pour le subwoofer. Glockel, c'est 14 mois. Oh well, 19 mois. Grâce sans les 29 mois. Tatsu, Guiniro, merci pour le subwoofer à la communauté. Je pourrais résoudre celle-ci les yeux fermés. Et tu vas fermer ta gueule, toi ! Et ferme ta gueule, grosse merde, là ! Luc, la merde ! Tout le monde te déteste, Luc, la merde ! Putain. Il a 10 ans, arrête, j'en ai rien à foutre ! J'en ai rien à foutre qu'il ait 10 ans ! Il faut qu'il aille crever, là ! Tu te fous de ma gueule, là ! Il est 10 ans. Il faut mieux ne pas courir, cela pourrait être dangereux. Je me demande qui vit, si quelqu'un vit ici. Bon, allez, cassons-nous d'ici. Hop là. Ah bah tiens. La vieillasse. Aïe aïe aïe. Il ne va vraiment rien vous arriver de bon ce mois-ci. Et je vous conseille de résoudre mon énigme si vous voulez éviter ce destin terrible, voire funeste. Ok, bon, alors... C'est celui-là, c'est impossible de le faire. C'est littéralement celui-là. Moins que je parte de là. Ah non. Moins que je parte de là. Ah, si. Oui, ok. Bah non. Mais celui-là, il est impossible. Attends, la vie de moi, il est impossible celui-là. Attends un peu. Celui-là, il est impossible. C'est pas celui-là par hasard ? Attends, la maison. Ok, ça c'est bon. Non mais c'est ça. Hein. Celui-là, il est impossible. Bravo à tous. C'était évidemment celui-là qui était impossible. Même pas envie d'essayer les autres, c'est gagné. Bonne réponse. Lorsqu'on observe ce genre de dessin, il faut se concentrer sur les intersections. Comptez le nombre de traits qui partent d'une intersection et voyez s'il est pair ou impair. Si toutes les intersections contiennent un nombre de paires de traits, ou si seules deux intersections contiennent un nombre impair de traits, alors le dessin en question est possible de réaliser en un seul trait. Pardon, attends. Quoi ? Si toutes les intersections contiennent un nombre pair de traits... D'accord, et merci pour la technique. Eh bien, c'était rapide. Eh bien, non... Eh bien, c'était rapide.
C'est ce mois de malchance qui vous fait peur. Désolé de vous dire ça, mais on ne peut pas changer son destin. Vous allez devoir faire avec. Hop là. Qu'est-ce que vous voulez? Les indices sont là. Vous voulez me demander quelque chose, non? Inutile de nier, je lis sur votre visage. Je vous répondrai dès que vous aurez résolu cette énigme. Très bien. Vous vous trouvez sur l'archipel de Kwai. Ok, Kwai Kube. Et souhaitez visiter chacune des îles de le composant. Les autochtones vous affirment qu'il est possible de visiter chaque île une seule fois en passant par l'île A et en finissant sur l'île B. À moins de construire un pont supplémentaire. Il est impossible, pardon. À moins de construire un pont supplémentaire. Intéressé par le défi, vous penchez sur le problème. C'est-à-dire que je connais mieux leur pays qu'eux-mêmes, en fait, c'est ce que vous voulez me dire? Vous n'avez pas le droit de construire un pont. À construire un pont? Par-dessus un autre déjà existant. Où devriez-vous passer le nouveau pont? Ah non, pardon. Construire le nouveau pont. Non, je voulais juste tracer quelque chose. Alors attends, je fais comme ça, j'arrive là. Boum, hop là. Une seule fois... Une seule fois. Attends, je fais le petit triangle là, hop là. Ensuite, je vais là. Est-ce que ce serait pas... Attends. Pas là par hasard? Attends. Si je fais ça, tac. Non, là je suis obligé de remonter. Tac, hop. Non. C'est pas un joli pont ça. Attends. Hop, donc j'ai trouvé le moyen de là, ici, comme ça. Hop. Ensuite j'arrive là. Et c'est là que c'est la merde. Et là, tac. Je n'ai pas le droit de construire un pont par-dessus un autre déjà existant. Ok. Et si je fais ça... Hop. Ah non. Du coup, je serais obligé de revenir au bout d'un moment. Ajoutant un pont, là. En tous les cas, ça part pas de là. Attends. Hop, et si j'arrive là... Là, c'est la sauce. Est-ce qu'il y a moins que je fasse ça? Attends. Oui. Au revoir à tous! There we go. Voilà! Every puzzle has an answer. Ah, bonne réponse! Allez, Oust! Allez visiter ces îles paradisiaques! Hop là! Et je le savais! Un collègue détective! Cher collègue, vous avez un don indéniable pour les énigmes! Je crois pouvoir dire que vous êtes presque aussi doué que moi! Ma méthode, c'est les yeux! Les yeux ne mentent jamais! Sauf exception, que je ne laisse jamais filer! Mamma mia! Ok. Oh la langue! Boum! Non, j'ai bien avancé sur le Klebs, là. Hop là, le sub offert, merci à tous, n'hésitez pas, bien sûr. Le café ne semble pas être encore ouvert. Je ne parviens pas à lire ce qui est écrit ici. Ah merde, encore une énigme avec elle? Non. La 1. La prochaine fois que je bloque sur une énigme épineuse, je ferai appel à vous aussi, tout d'accord? Merci Goubil pour le Prime. Chauka, le sub offert à la communauté, merci beaucoup. Je me demande combien de personnes vivent ici. Ah, encore un sub offert, bien sûr. Merci Goubil pour le Prime. Et Stolingo, les 40 mois. Chercher Ramon au nord, mais j'ai quand même envie de... Attends, je vais voir par là. Bonjour, jeune homme. Dites, auriez-vous à tout hasard vu une belle pièce dans le coin?
J'aurais juré que j'en avais perdu une par ici. J'ai tendance à perdre beaucoup de choses ces temps-ci et cela commence à me coûter cher. J'ai vraiment besoin de faire des économies. Vous voulez bien m'aider à résoudre ce petit problème ? Si, non, c'est la sauce pour le prime. Une ficelle et des pièces sont placées ci-dessous. Alors que vous tirez sur les extrémités de la ficelle, celle-ci se tend, séparant les pièces en deux groupes distincts. En supposant que vous récupérez toutes les pièces qui seront tirées vers le haut, combien de pièces allez-vous gagner ? Une. Deux. Trois. Quatre, cinq, oh là non, oh non, non, j'arrive pas à comprendre là. Je crois que c'est 4, toujours. 5. 5. Non, c'est la même que tout à l'heure. Ah non, c'est bon, oui, 5. Sept. Huit. Pitié que ce soit ça. There we go. Oh, vicier! Oh non, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Dessine, bro, mais ça sert à rien, c'est déjà dessiné. Je peux dessiner dessus, mais à quoi ça va me servir? Je vais juste faire ça, quoi, c'est super, bah c'est exactement la même chose, c'est top. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Je fais de la merde. Possible. Quoi, mais? Comment ça, mais ta gueule? Enfin, du coup, ça c'était à l'extérieur. Six. Je sais pas pour celle-là. Sept, on va dire. Allez, on s'en bat les couilles. Oh, je fais tout l'inverse de ce que je faisais tout à l'heure. J'ai confondu, j'ai fait de la merde, non? Ah, c'est possible, ouais. Toi. Toi. Toi.
j'en sais rien. Non ? Peut-être 10 en vrai, il y en a une, je suis pas sûr. Allez, 10, sinon c'est 11. Luke, here's my answer. Je vais tenter 11. I suppose I thought wrong. Attends. Non. Non, j'ai mis 10 tout à l'heure. C'est 11 que je dois mettre. That should do it. Ah, genre, elle me fait péter un plomb, celle-là. Frankly, I'm ashamed. Elle me fait péter un plomb, celle-là. Bon, toi, c'est non. Ça dégage. Peut-être faut que je fasse comme ça. Ça dégage. Si je fais comme ça, est-ce que ça marche ? C'est possible que ça marche, en vrai. Ça dégage. Ça dégage. Boost. Boost. Dehors. Ensuite, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. De la merde. De la merde. Est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que j'ai un autre chemin? Merde, j'ai colorié comme de la merde, du coup j'arrive pas à voir. Soit c'est sûr que non, du coup. Hein. Ok. Je sais pas, attends. Merde, il y a un autre chemin, je l'ai raté peut-être? Ah, peut-être par là. Attends, du coup, ce qui est au-dessus, c'est ça. Et ce qui est au-dessus, c'est ça. Du coup, là, tout ça, ça l'est pas. Il va tirer par là, donc ça, ça va être en dessous. Hop, ça dégage. Également. Oui. Et là. Et toi, tu dégages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce que j'avais compté tout à l'heure, c'était pas bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon. 9, pardon, j'ai mal compté. My bad là-dessus. Putain, j'ai fait 8, 10, 11, c'était 9. There we go. GAI, bravo à tous. Critical thinking is the key to success. Bonne réponse, vous allez récupérer 9 pièces, bien que cette énigme soit très simple. Suivre les contours de la ficelle peut s'avérer plus ardu qu'il n'y paraît. Merci à tous. Eh bien, voilà un homme intelligent. Maintenant, faites-moi plaisir et aidez-moi à retrouver cette pièce. Bricole. La truffe.